C'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours de manche, Arnaud de Manche qui nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais faire un gros bisou au Football Club de Lorient. Ah oui. Oui, qu'on a un petit peu chambré l'autre jour sur son surnom, les Merlus. C'était affectueux, ils m'ont mis un message rigolo sur Instagram, merci à eux. Mais alors j'ai une Lorientaise désespérée. Ah. Qui m'a écrit parce qu'elle voulait inscrire sa fille dans l'équipe féminine du roller derby. Mmh. Or, le surnom des filles du club, et je vous jure que c'est vrai, c'est les Morues. Ah. Lorientaise. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est si, pas possible. Franchement, amis bretons, je comprends que vous soyez un pays de pêcheurs, mais enfin, quand même, quoi. Allez, les Morues, ça ne va pas. Ça va trop loin dans la provoque. À Quimper, les féminines de handball, elles s'appellent pas l'équipe détruite du Finistère. Non. Vous comprenez bien. Les footballeuses de Pau, c'est pas les chiennes des Pyrénées. Les haltérophiles de Limoges, c'est pas les grosses vaches du Limousin. Pensez un peu marketing. Parce que même pour le merchandising, c'est compliqué. Mmh. Amélie, Apolline, mmh. Est-ce que vous porteriez un maillot morue et fier de l'être? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on est cap et donc on lance un appel donc à l'équipe féminine du roller derby. Arnaud, la France a ses réserves de gaz pour l'hiver. 100% des cuves sont pleines. Eh ouais, ça y est, on a du gaz, on va pouvoir passer l'hiver. Oui, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on n'avait pas de gaz non plus. Quel soulagement quand même. Vous, je sais pas, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir du gaz. Parce que, non mais généralement, on s'en fout. Moi, si on m'offrait une bonbonne butte à gaz à mon anniversaire, par exemple, je vous le cache pas, j'étais un peu déçu. Là, pas du tout, ça peut même être l'idée cadeau originale à mettre sous le sapin. C'est la bonne idée cadeau. Avec un chineux. Donc voilà, il y a eu une grande opération pour remplir les cuves de gaz, baptisée opération tire sur mon doigt. Et on s'est appuyé sur les plus grands producteurs de gaz, l'Algérie, les Émirats, le Cassoulet, etc. L'administration française aussi, hein, vu qu'en termes d'usine à gaz, on est assez balèze. On a fini par y arriver, donc cocorico, on n'aura pas froid. Vladimir Poutine, Arnaud, qui se sent acculé, il a donc à nouveau menacé l'Europe, menace nucléaire, menace de coupure énergétique, tout y est passé. Oui, on ne sait plus quoi faire pour cet hiver. Moi, j'ai des amis qui sont là, on hésite à faire isoler nos appartements. C'est gonflant de faire des gros travaux dans l'immeuble. Si Poutine envoie un missile dedans dans 6 mois, ça ne servira à rien. Alors, vous avez peut-être vu cette nouvelle aussi. Vladimir Poutine a promu général le président de Tchétchénie. Mmh. Ramzan Kadyrov, qui a proposé d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine. Mmh. Évidemment, la Tchétchénie, c'est loin de Tchétchénou, donc lui, il s'en fout, il ne sera pas impacté. Vous voyez, ça marche bien. Vous voyez, dans les films américains, le méchant, il a soit une tête de grosse brute du KGB, soit la tête de l'ayatollah Khomeini. Eh ben, le président tchétchène, il a la tête des deux à la fois. C'est vraiment pas un rigolo, quoi. C'est un président qui met ses enfants de 8 ans au MMA, quand même. Hein. C'est véridique. Apolline, un enfant de 5 ans. Non. Bon, vous ah l'inscrivez. Bah c'est non. Vous l'avez pas inscrit en stage de tauromachie. Non. Alors, Kadyrov veut balancer des armes nucléaires, mais de faible puissance, parce que c'est un Tchétchène modéré. C'est la justice à la Kadyrov. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Et ben la justice sous un Tchétchène, c'est pas pareil. D'ailleurs, est-ce que les Tchétchènes produisent des glanglans? Voilà une bonne question pour la journée. J'adore. J'étais sûr que vous feriez ça avec vos petits points. Manu, ça fait du bruit. Manu, il pleure. Pardon. Alors, pour économiser l'énergie, Arnaud, signalons la proposition de la ministre suisse de l'Environnement, Simonetta Sommaruga. Vous oui. me l'avez écrit. Hein, bon, merci Arnaud. Se doucher à plusieurs. Oui, c'est une vraie proposition. Manu me disait, moi je suis pour en plus. J'ai une grande salle de bain, j'ai des jets massants. On l'avait déjà faite ici. Oui, si on peut rendre service... J'ai même grillé une annonce que vous avez postée sur Internet, hein, Manu. Amateur de petits Marseillais saveur vanille ou de Tahiti saveur raclette, très bon savonneur de dos, je recherche un plan douche, pas prise de tête, pour faire ensemble un maximum d'économies d'énergie pour un petit shampoing ou pour la vie. Contactez Manu. Il est dispo, hein. Alors, ça a l'air cool comme ça, la douche à plusieurs. Ça dépend quand même avec qui on vit. Si on est en vacances avec sa grand-mère, c'est plus compliqué.
ça marche aussi si tu ne vis pas dans un studio à Paris, hein, 8 mètres carrés, parce que déjà prendre une douche tout seul avec le pied sur les toilettes et se tenir au plan de travail de la cuisine, ça nécessite un certain sens de l'équilibre. À deux, ça devient carrément du rock acrobatique. C'est une initiative qui n'est pas nouvelle, hein, la douche à plusieurs, ça a déjà été testé, notamment en prison. Il faudrait demander à Patrick Balkany ce qu'il a trouvé et retiré de cette expérience. Avec une question sur les Suisses. Oui. Est-ce qu'ils vont suivre cette proposition ? Eh bien oui, on ne sait pas. On n'aurait pas cru, mais les Suisses ont besoin de faire des économies. C'est-à-dire que les avocats d'affaires et les banquiers suisses vont donc se doucher ensemble. Car là-bas aussi, c'est la crise. Il n'y aura pas de nouvelles Rolex cette année. Ils seront obligés de porter le modèle de l'an dernier. C'est l'enfer. Moi, je me demande si c'est pas juste un truc pour booster la vie sexuelle des Suisses. Non, parce que c'est comme les pandas. Hein. C'est dur de faire s'accoupler des Suisses. Parce qu'on imagine un truc très bien rangé, bien parallèle. On fait pas de bruit un peu 22. On fait pas de bruit après 22 heures. Là, ils ont dû faire un truc du genre faisons l'amour sous la douche, Simonetta. Bien sûr, Jean Edmond. Car au-delà du plaisir que nous prendrons, notre compte en banque en prendra aussi. Je ressens actuellement une sensation de confort corporel. Oh oui, oh oui, je me sens devenir, oh oui, encore Jean Edmond, je me sens actuellement devenir une tigresse sauvage. Jusqu'à l'orgasme suisse, évidemment. Que sensualité ce matin, hein. Allez, à demain. À demain, cher Arnaud.